Ça va, t'aimes bien? Ouais, c'est trop bon, en plus, t'es trop gentil. Ouais, mais je savais pas que t'allais ramener ta petite soeur, tu fous le seum là. C'est bon, c'est juste une petite. Ouais, c'est juste une petite, mais regarde tout ce qu'elle a commandé là, c'est une dinguerie. Comment je vais m'en sortir? C'est pas moi qui paye, hein. Mon Dieu, là, je vous dis là. Mais bébé, c'est une petite. Ouais, c'est bon, y a pas de petite là. C'est toi qui vas payer tout ça, sinon tu vas pas te marier avec ma soeur. Serveur, notre plat. Tu fais quoi avec elle? La dernière fois, je t'ai pardonné alors que tu m'as trompé avec ma cousine, avec ma soeur, avec ma mère, avec ma tante, avec ma grand-mère. Non, 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 ce n'est pas pareil. C'est ma soeur de cœur. Elle, ta soeur? Tu crois que je suis bête? Allez, mais je t'accompagne, drôle. Non, t'es vénard, toi. Je peux pas m'accompagner, je dois aller tout seul. C'est ma meuf. C'est pas grave, wesh. Non, t'inquiète. Mais c'est pas grave, ça, je serai là. C'est ma meuf, c'est pas ta meuf. T'inquiète, ça va bien. Non, je veux tout seul, mec. Hey, tu me connais. Ça va bien se passer, allez. Non. Ah, là, y'a Fanda. Je peux faire discret. Si. Mais oui, Fanda, ça tu comment, mon gars? Ça va et toi? Ouais, on est là en mode bang. Ça fait longtemps, toi? Ouais, ça fait longtemps, mais je suis pas content, frère. Pourquoi? Tu m'as envoyé sur un site bizarre, j'ai acheté ces lunettes-là, y'a même pas d'étiquette ni rien. C'est des fausses lunettes. Écoute, tu vois. Non, frère, toi tu vends des trucs sur internet. On voit ça après. On va voir ça après. Lui va capter sa meuf, mon gars, une dinguerie. Eh, elle est fraîche. Comme la crème fraîche. Oui. Elle est douce. Comme la pâte à douce. Ah, toi aussi. Ah, mon gars, tu vas gérer. Allez, on y va ou pas? Non, toi, tu restes ici, mec. Mon gars, qu'est-ce que tu vas faire? Aller capter sa meuf. Non, frère. Tu vas capter sa meuf. D'où tu vas l'accompagner? T'as déjà vu ça où? Sans dette, tête à tête. Bah voilà. Dîner à la chandelle. Tu connais ça? Quand t'as quoi? Mon gars, reste avec moi parce que là on doit gérer un bail. Gros, vas-y, hein. Gros, va gérer ta meuf. Non, frère, arrête de faire ça. Arrête de faire ça, gros, tout de suite là. Je suis pas content, y'a pas d'étiquette. Eh, hey, frère, tu l'as acheté combien? Tu le cites. 15 euros. Frère, 15 euros? Mais c'est toi qui vends, ce sont tes lunettes, t'achètes et tu mets dans tes sites là, tu me dis. Oui, mais pourquoi tu te plains? Tu crois que c'est Philippe là? Mon compte, il était plein, maintenant il est vide. Ah. Quand j'ai acheté ça, ça m'a fait des prélèvements bizarres. 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois, 7 fois, 8 fois. Mon compte, il est vide. C'est pas mon site, frère. Moi, mon site, il est clean. Mais non, c'est pas ton site. Quand tu fais des promotions sur ta story, ouais, le meilleur site, venez acheter tout ça. Placement, t'as mis les lunettes, tout ça. Moi, il fait, non, le mec, mais frère, moi, je fais du placement, frère, c'est tout. Hein. Le site, c'est pas moi, je l'ai créé. Ok, le service client, ça se passe comment maintenant? De base, tu ne bégayes pas. Tu parles bien correctement. Et t'es quelqu'un qui est à l'école. Y'a pas de frère, y'a pas de quoi quand tu m'as. Mon gars, dégoûtant. On n'a jamais eu de problème comme ça. T'es le premier, frère. Écoute, y'a un commissariat à côté là. Ah non, s'il te plaît, non, pas ça, frère, pas ça. Eh hey, frère, moi je fais du business, ouais. Je suis un débrouillard, frère. Débrouillard à vie. Donc ouais. Voilà, j'essaie de m'en sortir. C'est pas légal ton truc, c'est tout. Pourquoi tu veux aller? Il ose le dire. Moi je suis toi enregistré, hein. Donc soit tu me donnes ta veste qui coûte, en plus tu mets des Levi's 450. Non mon gars, donne-moi la veste. Oh, donne la veste, arrête de frère. Je veux pas que je te donne une casquette plutôt. Ça va bien la casquette pour toi, non? Je veux la veste. Il fait quoi, frère? Mes casquettes à 12 euros, 10 euros là. Il va pleuvoir. Tu vas acheter les halles, les gens qui vendent des lunettes là, tout ça dans la rue là, les rues là. Attends, ça c'est 10 euros. Il va pleuvoir, frère. Donne la veste. Et alors, t'as peur de l'eau? Tu te laves tous les jours, non? T'as peur de l'eau de la pluie? Il fait pas froid. On dit pas froid, on dit froid. Bon, mon gars. On peut créer ensemble, hein. Viens, on fait un petit tour. Ah, Fanda, mon gars, wesh, arrête, wesh. Tu viens de me déshabiller, toi, frère. Toi aussi, tu me vends des trucs dans des sites bizarres, frère. Arrête. C'est pas mon site, frère. Hey, le problème, c'est même pas le site. C'est qu'il y a des prélèvements qui sont passés. Ah, mais je sais pas, moi. Je vais voir. Si je te fais rembourser, tu me donnes ma veste. Ouais, mais pas tout de suite, bâtard. T'es ouf, toi. Oh, comment ça va? Ça va. T'as passé une bonne journée? Ouais, ça te dit, on va au resto? Vas-y. Et sinon, t'as fait quoi hier? Rien, j'étais chez moi. Ah ouais, tu t'ennuyais sans moi?
Ouais. Moi aussi, je me suis ennuyée sans toi. Ah ouais. J'étais chez moi, j'ai rien fait. Ah. Et on va dans quel resto là? Il y a un resto là-bas là. Ok, bah vas-y. Ouais mon gars, c'est bon là. Tu sais, on va aller manger nos petits restaurants qui est à côté là, tu vois. Ah, c'est, en plus c'est bien. Hein. Ouais, t'inquiète, mais j'ai encore un peu de sous, tu vois. Je te paye. Parce que t'es mon gars, je sais que t'es fouché là. Arrête de checker, je sais que dans ton site là, t'as du buff, hein. Tu fais trop semblant là dans ton compte. C'est pas mon site. Arrête, frère. Ton site là. Bon. Wesh. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu t'arrêtes? T'es fatigué? Non, je vais aller au restaurant qui est là-bas. Moi, je vais aller là-bas. Ton petit là, hein, viens ici. Je veux pas en fait. Non, mon gars, et qu'est-ce qu'il fait avec Laurine? Ben, il... c'est ça la meuf qui était fraîche comme la patate. Ah, mais moi je connais pas, je savais pas que c'était Laurine. Hein. Ah, tu savais pas? Et le petit, en fait, on se connaît pas vraiment, tu vois. C'est j'étais en train de la pâter pour qu'il achète des trucs sur mon site, c'est tout. Hein. Pour acheter ton site, t'as besoin d'aller voir sa meuf en fait. Pour acheter des trucs sur le site que je fais des pubs pour voilà quoi. Ça en fait, mais je le connais pas, le petit. Je pense que je vais même pas. Attends. Mais non, mais je pense que je vais appeler appel à chaise pour voir s'il y a encore des places au cimetière parce que ton petit là, il est mort. Même si l'enfant vivant, il est mort. Pourquoi tu me tiens comme ça? Pourquoi moi je suis. Non, je suis mon pas gars. Deux, frère. Garanti, on ne sait jamais s'il fait. Ah, il fuit, tout ça. Moi j'étais, mon gars, j'étais déjà. Ah, frère, t'aimes trop ça, frère. Mais non, on va là-bas. Pourquoi? Bah parce qu'il y a des réductions là-bas aussi. Là-bas aussi? Je te signale, c'est moi qui paye. Hein. Ouais, j'avoue. Bon. Vas-y. Venez, avancez, c'est ça. Je vais t'attraper. Oh yo. Ah, t'es là toi? Ouais, je suis là. Tu me vois pas? Mon gars, je te présente ma meuf. Mais non, t'es mon cousin. Quoi? Mais oui, t'es mon cousin. Tu me tenais comme ça pour me protéger quand il y a des garçons qui viennent vers moi. Pas confiance. Tu me protèges parce qu'il y a des garçons qui viennent vers moi, mais t'es mon cousin. Stop. Toi, stop. Toi, tes cousins, ils te ramènent au resto? Bah oui, ils me ramènent au restaurant. Vas-y, toi, tes cousins, ils sont bizarres, frère. Mais c'est toi qui es bizarre, t'es mon cousin, tu me tiens comme ça, alors. Vas-y, moi, je suis pas ton cousin, moi. T'as vu, mon cousin, il est... Viens ici, là, frère. Viens. Attends, mon gars. Non. Toi, t'as là, tu dis que tu vas capturer une meuf. Ouais, parce que c'est ma meuf. Mais non, t'es mon cousin, arrête de mentir. Attends, toi, depuis quand, ton... Regardez-le. Il ressemble à Sadio Mané. Depuis quand, dans ta famille, il y a des gens... qui ressemble à Sadio Mané, hein? Toi, tu fais des Antilles, tout ça? Oui. Toi, t'es de quelle origine? Ivoirien. Ivoirien. Et toi, t'es quoi? Ben, je suis ivoirienne. Viens, on va à la maison. Mon gars, c'est parce que je connais Pendant. Sinon, je t'aurais balayé. Tu serais. Non, y a pas de. Oh, je t'aurais balayé. Tu allais atterrir à paix, la chaise. Voilà, de toute façon, cousin, on va aller au restaurant demain. Mais quoi? Quel restaurant? Et tu rigoles? Mon cousin. On va voir ta daronne, nous deux. Non, si tu veux voir avec lui, la dot là, je vais retirer. Oui, je vais aller avec lui. La dot. Eh, hey, viens. C'est bon, viens. Lâche-moi. Mais viens, la dot. La dot. En fait, il n'y a jamais eu de dot. Il n'y aura pas de dot. Même plus tard, oublie. Sadio Mané, force à toi. Ben j'aurai la dot avec lui alors. Aujourd'hui je vais la voir. Yes. Pourquoi il est content celui-là? Wesh, tu fais quoi ici toi? Moi j'attends ma meuf là. Ah ouais. Ah laisse tomber frère. Ah, là, je suis content toi. Ah vas-y toi. Hey, si tu la vois, elle est magnifique. Comment elle dit l'autre là? Magnifique. Et est-ce que je peux la voir? Comment ça tu peux la voir? Tu peux la voir? Ouais, bon vas-y, je peux te montrer une photo. Waouh! Attends. Tu regardes tout, frère. Tu vas la capter quand? Tout de suite là, tout à l'heure, même pas dans 5 minutes, frère. Pourquoi il coupe comme ça? Quand un noir coup, faut courir! Acheter à manger. Qu'est-ce qu'il fait? Il se trouve là, il a les keufs. Les keufs? Ouais. Ah ben, faut qu'on le suive, faut qu'on reste avec lui en fait, on va le suivre. Ça se trouve, on va là-bas, il y a les keufs. Ça se trouve, on va là-bas, il y a les keufs. Faut qu'on regarde où il va, on le suit. Vas-y. Allez.
Hey gros, dis-moi pourquoi tu cours déjà? Oui, pourquoi tu cours? On te suit depuis tout à l'heure là. Hein? Pourquoi je cours depuis tout à l'heure? Moi, je faisais mon sport. Hein. En plus, j'avais trop faim, je suis allé m'acheter à manger. Et surtout, hein, j'ai battu mon record. Hein. Ça fait 2 ans que je cours. Je n'ai pas couru aussi vite que tout à l'heure. En plus, j'ai grave faim. Je vais grailler comme jamais en mode ding ding. Vous voyez ce que je veux dire? Vous voulez pas? Mais non, on veut pas nous. Mais pourquoi tu courais en fait? Tu courais que pour ça? Ah, vous voulez pas les nems? Bah, c'est pas grave. Moi, je vous ai dit que je courais pour battre mon record et manger. Mais on t'a vu courir là. On a cru que c'était. Il y avait de l'action, il y avait les flics, la police derrière toi, frère. Quoi? La police? C'est pour ça qu'on a mis boulette. Les seuls cons que j'ai vu courir derrière moi, c'était vous deux. Donc, allez là-bas. Pourquoi ils nous traitent de cons là? Vous là, commencez pas. Hein. On se connaît pas. Ouais, je vous traite de cons. Et alors? Vous êtes vraiment cons, vous êtes cons, vous êtes bêtes. Vous courez derrière quelqu'un qui court comme ça, il fait son sport. Et vous, vous courez derrière. Arrêtez avec vos clichés dès qu'un Renoir il court. Forcément, il y a la police. Bah non! Bah non! Allez là-bas. Vraiment, hein. Ouais, on pense que... Ah non, non. Ah, moi, je vais manger. T'es vraiment con. Ouais, j'avoue, on a été con là. Bon, vas-y, hein. Ah, tu me lâches, toi? Ouais, moi, je vais au foot. Ah ouais, c'est comme ça. Ah ouais, mais moi, je dois voir ma meuf. Ah, mais toi, t'es con. Eh, hey, vas-y, cours. Je suis arrivée au rendez-vous, il est où? Bon, je vais l'attendre, hein. Mais si dans 10 minutes, il est pas là, moi, je vais bouger, hein. Parce que là... Oh. Il court encore. Il court. Non, mais c'est... Non, il faut que je bouge, là. Bon, j'avais dit 10 minutes, mais là, je suis restée 30 minutes. Ça fait 30 minutes que je l'attends, quand même. Il est toujours pas là. Eh, bon, vas-y, moi, j'y vais, là. Parce que là, n'importe quoi. Décoche. Pourquoi il m'appelle lui? Vas-y. Hey, toi, pourquoi tu m'appelles? Oui. T'es où? Tu m'as fait attendre pendant 30 minutes. T'es sérieux là? Mais je suis là. Ça fait n'importe quoi, frère. Vas-y, oublie nous deux. Ok? Non, fais pas ça. Non, j'ai couru derrière. Après quelqu'un là, il y avait la pointe. Je m'en fiche. Vas-y, salut. À jamais. Allô? Oh, il a raccroché. Non, mais il a craqué lui. Il fait attendre 30 minutes et il m'appelle. Vas-y, je rentre chez moi pour que là. Putain. J'ai plus de meuf là. En plus, c'était notre premier date. Action. Est-ce que vous savez où il y a un boucher, s'il vous plaît? Viens, on demande au mec en face. Ok. Bonjour. 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 Est-ce que vous connaissez la rue... Quelle rue? La rue Didier. Oui, la rue Didier. Didier? Le seul Didier que je connais, c'est Didier Deschamps. On connaît pas de rue Didier. Mais Didier Deschamps, c'est pas une rue, c'est un coach. C'est pas la Coupe du Monde. Bonjour. Bonjour. Je cherche la rue... Quelle rue? Raymond du Temple. Raymond du Temple? Non, je connais pas. Moi, je connais Raymond Domenech. Qu'est-ce qu'il raconte? Raymond Domenech, c'est un coach. Moi, je cherche une rue, frère. Vas-y. Il est vraiment stupide, ce mec. La rue, elle est là. Il cherche une rue alors qu'il est déjà sur la rue. Voilà, c'est ici que j'habite. Ah, c'est magnifique, franchement. Oh, j'aime bien la déco. Sinon, toi, tu fais quoi dans la vie? Je suis sportif, je vais à la salle tout le temps, tous les jours. Et je prends soin de moi, c'est grave important. Ah ouais? Pour la santé, pour l'hygiène. Ah oui. C'est intéressant, j'aime les mecs qui prennent soin d'eux. Ah bébé, pourquoi t'es énervé? T'étais où? J'étais à la salle, pourquoi? Matin, salle. Midi, salle. Soir, salle. Tous les jours, t'es à la salle. T'es plus à la salle qu'avec moi. Mais tu m'avais dit que t'aimais bien les mecs qui prennent soin d'eux, non? Et non, je vais à la salle, ça te dérange. Pourquoi ça te dérange? T'as jamais le temps pour moi, t'es toujours à la salle. Vas-y, je me casse.
J'en suis sûr qu'elle va savoir que j'ai bu. Qu'est-ce que je peux faire? Ah, si. Hé, Laurine! Viens, bébé, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui a mangé mes merguez. Je pense même que c'est les souris, les rats. Vas-y, viens. Oh, qu'est-ce qui se passe? Ça tombe bien que tu sois venu là, parce que là, il y a les rats, les souris, les cafards qui ont tout mangé ma nourriture. Regarde, j'ai plus de merguez. Mais qu'est-ce qui se passe? Regarde. Même ils ont bu ta boisson. Non, c'est une dinguerie. Mais je suis choqué là. Non, je suis choqué, c'est hallucinant. J'ai jamais vu ça. Jamais de la vie, bébé. Mais moi aussi. Je pense que je vais acheter des produits de cafard. Mais oui. Des souris, tout ça. Parce qu'imagine s'ils mangent. Oh là là. Ils vont même manger tes culottes. Ils vont même manger tes habits. Mais faut que je cache tout ça. Ouais, encore pire s'ils mangent notre argent. Mais oui, attends, je vais cacher tout ça. Ouais, vas-y. Ah, j'ai la chance qu'elle n'a pas cramé, que j'ai bu toute sa boisson. Ici, il n'y a pas de rat, il n'y a pas de cafard, il n'y a pas de souris. J'en suis sûre que c'est lui qui a bu ma boisson. Pour ce jour-là, plusieurs dizaines de... Hé, bébé, s'il te plaît, est-ce que tu peux aller faire manger? Parce que là, j'ai grave faim. J'ai vraiment, vraiment faim. Oui, mais il est que 17h. Le repas de ce midi ne m'a pas suffi, je te jure. Là, je ne suis même pas rassasié, là. J'ai faim, s'il te plaît, bébé d'amour. Ok, d'accord, je vais faire à manger. Ça, c'est la crise. Les prix ont monté. Ça, c'est pas bon. Lui, il fait rien. C'est toujours moi qui fais tout. Oh là là. Comme je suis la femme de la maison, eh ben, je vais faire à manger. Là, c'est trop grave. Pendant que je fais à manger, lui, il regarde la télé. Il rigole. Alors que moi, je suis en train de faire à manger. C'est pas normal. Regardez, c'est quoi ça? Oh là là, le prix d'achat. Quoi? Moi, je me prends à faire à manger. Quoi? Comment ça, je vais t'aider à me faire manger? Ben, pendant que moi, je fais à manger, toi, tu regardes la télé. Oh, c'est bon, laisse-moi regarder la télé. En plus, avec ton ex, tu l'aidais. Attends, je me pose là, parce que là, attends. Ton ex, quand elle faisait à manger, tu l'aidais, non? Ça, c'est mon ex. C'est pas la même relation. Ah, ton ex, c'est pas la même relation, c'est pas la même vie. Elle est plus importante. Eh, laisse-moi regarder la télé. Je prends les informations. Mais je m'en fous, parce que moi, j'étais sur l'ordinateur aussi, je faisais du travail. Ça, c'est toi, ça. Laisse-moi, va faire à manger, on mange après, on va voir ça après. Mais pourquoi avec ton ex tu cuisinais? Pourquoi tu parles toujours de mon ex? Mais parce que, avec elle tu cuisines. Parce que quoi? Laisse-moi tranquille. Maintenant je te laisse pas tranquille. Si. Tu fais n'importe quoi là. C'est bon, la bouffe elle est prête? Ça sent trop bon là. On va très bien manger aujourd'hui. C'est quoi ça? Ça? Ça se mange avec quoi? Tu manges ça avec du ketchup. Donc tout ce manège là, ouais, je vais faire manger, tout ça, tu viens me dire, ouais, ton ex et tout, tu l'aidais, mais pas moi. Donc tout ça, tout ce bacam, je sais même pas quel mot utiliser en français. Donc tout ça, c'était pour ça. Ça. Elle a fait des pâtes sans sel. Même pas de sucre, même un petit goût sucré, il n'y a pas. C'est grave. Ketchup, qui mange des pâtes avec des ketchup? Là, t'abuses. Avec du ketchup. Qui mange ça avec du ketchup? Qui mange des pâtes avec du ketchup? Ah, c'est bon. Mais il y a des gens qui mangent. Hein. C'est pas bon. Ah, je suis vrai, c'est pas bon. J'ai pris mon temps pour cuisiner tout ça et il me dit qu'il est pas content. Vas-y, il abuse. Comment je suis pas content du tout? Pas du tout content. C'est un truc de ouf là. Regardez comment j'ai maigri à cause des pâtes pas salées. Il arrête de bouder. Quoi? Bon, j'ai un jeu. Un jeu? Et c'est lequel, dis-moi? Il y a ton ex et moi qui tombons à l'eau. Elle a 1 milliard d'euros et moi j'ai rien du tout. Tu sauves qui? Sois franc, dis la vérité. Ah, tu veux que je réponde sincèrement? Oui. Mon ex qui tombe dans l'eau avec toi, elle a 1 milliard. Je sauve qui? Bah, je sauve mon ex. T'es sérieux là? Bah oui, je sauve mon ex. Mais pourquoi tu sauves ton ex?
Écoute, je sauve mon ex pourquoi? C'est pas mon ex que je sauve, hein, mais comme tu as dit, tu sauves qui l'ex? Bah, je sauve l'ex puisque c'est elle qui est 1 milliard. Et moi, donc, tu me laisses me noyer. 1 milliard, wesh. 1 milliard. Et moi, je vois pas plus de 1 milliard. Si toi, t'avais 1 milliard, je t'aurais sauvé aussi. Je laisse l'ex. En fait, c'est les 1 milliard que je sauve, mais comme c'est elle qui tient les 1 milliard, il faut que je l'enlève de l'eau. Mais 1 milliard, c'est plus important que moi. Attends, laisse. Si, parce que tu me laisses me noyer. Oh, est-ce que c'est pas dans la vraie vie, c'est juste l'imagination? Oui, mais si, c'est la vraie vie. Bah, de toute façon, comme t'as perdu, vu que ça te fait rire, eh ben, tu vas pas dormir avec moi dans la chambre, tu vas dormir sur le canapé. Ah bah non, moi je dors pas sur le canapé, non, non, non. Eh, t'as pas dit au départ du jeu? Quand on commence un jeu, on dit déjà ce que le perdant va faire et le gagnant ce qu'il va faire. Mais moi, je dors pas sur le canapé. Non, mais toi, t'as craqué là. Tu dors sur le canapé. Ici, là. Ici, là. Non, moi, je dors pas ici. Si, tu dors non, ici. Non, mais là, t'as craqué. C'est quoi ce genre de comportement? T'as dit que tu sauvais l'argent, non? Allez, laisse-moi tranquille. Et en plus. Et je m'en fous. Le lit, c'est moi qui ai pris le lit. Hein. Oui, de toute façon, je me suis pas, ok? Je m'en fous. Tu dors sur le canapé, c'est tout. Moi, je veux pas dormir sur le canapé. Pourquoi? J'ai fait des patins chelous et là, que je dors sur le canapé. Et alors, c'est quoi ton problème? Et alors, de quoi tu dors sur mon problème? Canapé. Vas-y, moi, allez, je dors pas sur le canapé. Je lui ai posé une question, il a choisi son ex. Vous pensez que c'est normal, ça? De toute façon, ce soir, il dort sur le canapé. Bonjour, mademoiselle. On t'a déjà dit que t'es belle? Non, pourquoi? Parce que t'es belle. Bah, merci. Ah, de rien. Et toi, on t'a déjà dit que t'es beau? Non. Ah, je comprends. C'est parce que t'es moche. Tu as profité quand je n'étais pas là. C'est faux. Tu as bouffé tous mes chocolats blancs noirs. C'est faux. Ne m'appelle pas ton daddy chocolat. Bébé, t'es sorti, t'as oublié de fermer la porte. Tu mens. Quand je suis arrivé, je te jure qu'il y avait personne. Bata. Pas de chocolat. Profiter quand je n'étais pas là. Qui t'a dit de manger tous mes chocolats? Tu as profité quand je n'étais pas là. Qui t'a dit de manger tous mes chocolats? Oui, j'avoue, wow, que j'ai mangé purée et c'était bon. T'as bu les chocolats? Mais non.